salut à tous. Je pense qu'on a vu la fin de ce mot. On se retrouve pour l'épisode 46 de Baldur's Gate avec toujours les trois mêmes. Ouais. Et on vient de clôturer une session de vente plutôt longue. Oui, mais profitable. Ah ouais. Mais au moins comme ça c'est fait. Et il fait 4 000 pièces d'or. Et comme ça au moins c'est pas vous qui vous tapez. Oh, on a 34 000 pièces. Oh, c'est gagné. Non. Pour acheter ton armure, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'il veut, c'est son armure. Non. Non, mais ce que je vous ai dit, on fera la technique. Faire les comptes exactement. Oui, effectivement. On verra bien comment on fait. Ah, la technique de fond. Ah ouais, ouais, ouais. On finit d'explorer la travée sud de la voie du drac aussi. Oui, mais du côté. Côté est ou ouest. Par là, à l'ouest. Je propose d'aller à l'est, comme ça après l'ouest, manifestement. Bah alors, ça continue, hein. Moi j'étais obligé de descendre le passage pour vous rejoindre, hein, sinon. Et t'as tout looté ce qu'il y avait en chemin? Oui, mais on n'a pas fini la partie ouest. Ah, il passe à côté. Ah, survival fail. Survival fail, sortez les pelles. Ah, attends, il faut que je mette mon. Ils ont survie réussi. C'est pas tout d'où j'ai sorti la pelle, mais une chose est sûre, elle a trouvé sa pelle. Hein. Elle est cachée. Trouver une deuxième main. Oh, let's go, il y avait une maxi potion. Et ça, c'est pour Arda. Une par shox. Alors, est-ce que dans le tonne de poisson, il y a des provisions pour le camp? C'est là, parfait. Il y a des poissons. Hop là, c'est envoyé au camp. Bah, c'était bien. Allez. Il y a rien d'autre. Pas l'impression. Ah, hein. Oh, c'était sympa là-bas, c'est le camp des réfugiés. Une semaine d'attente pour ça. Pour une pizza? Non. Non. C'est toujours pas arrivé. Pour du poisson. Et non, regardez là, on passe au nord. Venez. Ça fout là que c'est allô, ouais, allô, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas le nord, c'est le sud. Mais c'est pas le nord, c'est le sud. Déjà, c'est pas le nord, c'est le sud. Non, c'est vrai qu'on n'est pas passé par là. Attendez, on n'a pas découvert. Ah oui, non, c'est le sud. On a toujours pas fait tout le bas. Quoi? On n'a pas fait le bas. Bah, il y a tout un truc avec le bateau là-bas, tout pété là. Le bateau tout pété. Bah, plein ouest. Bah oui. Bah, t'as le bateau tout pété et t'as bien un truc. Je sais pas, on a dit qu'on faisait tout le bas. Mais oui, mais regarde, là, on a presque fini la zone. C'est pour finir les gens, c'est fait. Titre, mais oui. Il y a un personnage mort. Il y a un crevé. Je peux lui parler. Il est rouge. J'ai failli cliquer dessus. Comment ça, il est rouge? Il faut pas le fouiller. Son cadavre, il est rouge. Quand tu vas sa souris. Oups. J'ai failli. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Attendez. On remarquera, c'est le premier soir, on a commencé l'épisode. Il n'y a pas de problème, hein. Parle pas trop vite. C'est vrai. Que vous est-il arrivé? Attends le. Ah oui. Felt bones break. Darkness. Je pense que la finalité on l'avait en. Ouais, parlez-moi de l'anneau brisé. Brothers died on the road. Man tried. Bah, c'est le nain. Enfin le nain déguisé. Ah oui, c'est ça, on est d'accord, parce que je sais pas, c'est... Ouais, moi je me suis mis en elfe grande pour avoir une jolie armure. Je comprends. T'as beaucoup plus la place en elfe grande, hein. Bah c'est surtout que les rendus d'armure à chaque fois sont mieux sur des grands personnages que sur des petits personnages. Et bah c'est normal, parce que c'est... Challenged him. Ah. Ah. D'accord. Super. Non. Ambiance de fou. Pa. Garrod. Eh ben, on va pouvoir aller emmerder le gars du début là. Moi je suis navré mais ça sonnait carotte. Hein. Oh, garotte. Garotte, comme ça on reste dans la thématique du mort. Ah oui, c'est rouge. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, il n'y en aura pas besoin. Bah, c'est ce que je me dis. Quand on l'a poussé, mais il est tombé de où? Ah, peut-être Dupont. Bon, si jamais je l'ai volé, mais il y avait personne, j'étais caché. Ah ouais, Dupont, il a fait un sacré vol plané quand même. Hein. Dupont et Dupont. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'Arda, il passe quand même à côté de la moitié des plantes de la Terre. Ouais. Eh, alors, après, il est magicien, il est pas alchimie. Ouais, c'est ça, il est. Qu'est-ce que j'ai pas l'habitude d'appuyer sur la touche Alt pour trouver les plantes. C'est vrai que moi, j'ai un truc qui fait que c'est activé de base. C'est comme ça, moi, j'ai plus besoin d'appuyer. Comment ça?
Bah, en fait, c'est comme ton mode caméra, il y a un mode où ça toggle alt, on and off. Ah, non, j'ai raté de la survie, les gars. Non, c'est comment ce mode de fuck? Ah, attends, t'es où, Hard? Je suis juste devant toi. Ouais, mais c'est... Attends, il y avait une grotte ici avant. Bah là, elle est là où il y a Arda, la grotte, en fait. Dani? Ouais, là où il y a Arda, il y a une grotte. Bah, il y avait une autre grotte avant, ici aussi. Oh, bah, je ne sais pas, je n'ai pas... Comment tu veux, j'ai une grotte, ça suffit. Compte, il y a un jet de survie, là, que j'ai raté, donc... Oui, mais pas moi, je l'ai réussi, c'était pour la grotte devant nous. Ah, c'était pour la grotte devant nous. Oh là là, mais elle était pourtant visible comme le nez au milieu de la figure. Ah là là. On va dedans? Ouais, 3, 2, 1, partez. J'ai vraiment l'impression quand même qu'ils ont vachement, qu'ils remanient l'histoire vachement hein, depuis que le jeu est sorti. Ah mais c'est les nains, enfin les alphes là. Ah ceux qui veulent tout faire péter. Gnome. Mais exactement. Nicatox. Bah oui, oui, ça va, ça Gnome. Va, ça va. Vous leur parlez pas? Non, pas, on ne volera pas les lingots d'argent. Ah mince. Parce qu'il y en a tellement. Il y avait des lingots d'or. Après, on peut tous débuter hein, s'il faut, mais. Ah, ouais, ça me plaît ça. Ouais, je vais parler à Bumpy Panel. Bump Nagel. Oula. Toi aussi, ça bug. Joël, ah, il a perdu son cou. Oula. Il a perdu sa texture. Son cou qui souffre. Oula. Et bah, c'était un vendeur qui vend des Maxi Bons. Par contre, mais c'est pareil, les textures des moustaches, des barbes, c'est un délire. Hein. Il y a des Morgenstern. Morgenstern ? Pardon ? Ah, ben Bracchus, c'est incroyable ! J'aurais des armes bien meilleures après. Et il a des gants, c'est incroyable. Ils sont de quelle couleur ? Ils sont bleus, mais en gros, tu prends des dommages. Tu lances 6d6, tu les prends en dommages. Et après, jusqu'à je sais pas combien de temps, t'as une nouvelle attaque et tu gagnes double de ton mouvement. Je reparle à Bracchus Root. Il y a un truc pour des gants qu'on a aussi, si tu veux. Non, ça je m'en fous, les gants, ce que je dis, il y aura des gants moyens ou lourds dans la ville. Il y a des gants qui donnent Thunder Wave aussi, mais bon, ça allait. Maybe you can help me see sense. Non mais enfin c'est des gants pour moi qui font des dommages de. Tu as arrêté de lui parler à Bidule là? Bah il pouvait dire que ça en fait. C'était hey, tu veux me marchander? Oh là 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 là, c'est vrai que la texture. Vous avez cliqué sur le levier ou pas? Attends, je vais te regarder ce que tu lui racontais là sur les gants. I spent a lot of time thinking of worst case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have. Mais en vrai, c'est les gnomes qui veulent se faire péter. Ouais. Ah ouais, c'est pendant tout un short rest. Bah, je sais pas, mais ça a l'air bien. Hein. Si c'est que un tour, c'est chiant, mais si c'est. Bah, peut-être que c'est. Ou alors c'est valable que pendant un combat, mais même si c'est pendant qu'un combat, c'est déjà assez dingue quoi. Ah ouais, surtout que c'est tous les short rest. Oh lolo. Coûte pas cher, hein. Ah ouais, ils sont... Bah après, toi, t'as plein de rêves, ça peut être toi, ça. Oui, mais... Ouais, mais c'est pareil, J'ai déjà mon stuff dans ma tête qui est prêt pour le endgame. Et j'aurai des bots normalement qui me permettront de me déplacer plus. Qu'est-ce que je vois des gens partout là qui sont par là qui. Bah, au gars qu'on cherchait là. Ah, l'inquisition marche bien. Il est vénère le gnome. Il est vénère le gnome. C'est qui les Gondiens? En gros, c'est le club concurrent de eux. D'accord. A tyrant's nothing without lackeys. And the Gondians are the perfect lackeys. Dangerously intelligent, pathetically submissive.
They invented the Steel Watchers, and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city screams. Il est très, très dans la métaphore. To put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. On a un peu pensé à des... Comment ça s'appelle? Ah mais moi ce qui me fait trop marrer, c'est que le mec il dit ça alors que c'est son clan qui a fait copain-copain avec Saravok quoi. Bah Jean il veut éviter que ça soit... The Gondians are ingenious. Oh, bien sa faute, c'est bien sûr. Equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A rune powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility and... Alors non, c'est une autre bombe que j'ai essayé et bon, bah c'est... Please. C'est bien. This is too far. Everyone in the foundry would be killed. Quiet, Barkus. Mais à usage unique et ça te fait wipe donc... Oh oh oh. Comment il l'a rabaissé. Mais oui, on va tout faire péter. That's why we get along. Bah, au moins il va nous donner la bombe. Down by the docks. Ce que je te dis, la bombe, on peut pas s'en servir autrement pour la quête. Ouais, mais je veux dire, ah ouais, si on veut empêcher qu'ils s'en servent, le mieux c'est qu'ils nous la donnent. C'est valide. Tiens, je veux dire, théoriquement on fait, vas-y, donne-moi ta arme machin, etc. Puis tu la balances dans le fleuve. Au moment où on la lance dans le fleuve, en la faisant exploser dans le fleuve. Alors, sachant qu'il en a déjà créé une, à mon avis, il est capable d'en refaire une autre. Ah mais il y a notre ami Barkus Root à qui on peut vendre des trucs aussi. Toujours là lui, toujours dans les bons plans. You'll hear no argument on that. J'ai même pas eu le temps de voir ce que tu t'as dit. Using rune powder on the Gondians. They are inventors, just like us. Persnickety and self-important too. But we all have our moments. Something is wrong, very wrong. Please. Speak to them before you do anything. They deserve a chance to plead their case before being blown to pieces, don't you think? Plutôt intéressant. Tapez d'abord, discutez ensuite. That's Allez, on va aller leur parler. Mais c'est bien parce qu'il a été gentil avec nous, le gnome. Hein. Ouais, quand je pense qu'on aurait pu le catapulter du moulin. Ouais, ouais. C'est ça. C'est qu'au début, c'était un petit con quand même, mais... Bon, il a ses petits côtés quoi. En plus, regarde, il se fait bolosser par le teuteux là. Ah, il se fait clairement bolosser. Pourquoi l'échelle elle est en orange là? Je sais pas. On essaye. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as cliqué? Je sais pas, il y avait un levier, j'ai cliqué dessus. Oui. Est-ce qu'elle est piégée? Bah, ça n'a rien fait. Est-ce qu'elle est piégée peut-être? Je vais dessus! Vu que j'ai vu que t'as sauvegardé, c'est bon! Bah il se passe rien. Et il y a plein de petits gnomes là. Ouais, bon, c'est bonjour. C'est une maison où il y a personne dedans. Alors. Ça veut dire qu'il faut monter ça. Alors. Non mais il y a rien d'intéressant, mais il y a personne dans la baraque. Donc... Oh il y a un super chapeau. Il y a un bouquin à lire. Ah bah on est dans la maison du forgeron. Y a des bouquins carrément sur les... Ouais bah faut que je les ai lus, on sait jamais. Ah oui c'est vrai que j'avais récupéré aussi des bouquins dans... Ah ceux-là on peut les récupérer hein, ceux qui sont par terre. Est-ce que je les récupère ou... J'ai un pare-chaud... C'est moi ou je me suis fait tirer tout l'or que j'avais récupéré? Alors moi c'est pareil le mien... Putain Catrox il a tout récupéré cet enfoiré. J'ai une pièce d'or. C'est Katox qui a récupéré tout. C'est pour faciliter le calcul. Ouais, alors en haut à droite, mec, tu l'as hein, le calcul, hein, donc bon. C'est pour être sûr.
Ouais, bah regarde, attends, hop là, je le prends comme ça au moins. T'as rempli... Ah bah non, vas-y, récupère-le, ça pèse, tout... ça pèse trop lourd. Ça, ça pèse un âne mort. Tu penses qu'on peut sortir? Ah mais on peut sortir par la porte. Ah ça pèse 35 kilos quoi, c'est... C'est vraiment ultra lourd. On va voir le gars du début là, qui a tué quelqu'un. Hein. Bah je... Non, je... Par chaud là, je vais le garder parce que... T'es toi souvent au cac toi, Arda? Non. Jamais. Non, non. C'est une vraie question, hein, c'est... Je suis jamais au cac. D'accord, ok, donc... Un magicien au cac. S'il vous plaît, on va au cirque. Attends, mais moi je voulais parler... Katox. Je voulais Katox. Juste finir la quête. On peut pas finir la quête, hein? Attends, Katox, il en a marre, il se barre. On revient. Mais non, mais Katox, on a dit... posé au... On va causer au cac, a poussé un mec par-dessus la balustrade, là. Bah ouais. Hein? Bah, on a trouvé un cadavre. Oui. Et c'est un cadavre... Il a dit c'est le mec de connard du début qui m'a jeté par-dessus la balustrade. Non, c'est pas lui, c'est l'autre là. C'est Fairdrogger. Ouais, ah ouais, c'est lui. Ah, c'est ce sac à merde. Bah, je crois, ouais. Oh, bah oui, oui, c'était le gars qui rachète les legs familiaux là. Oh, si on peut lui marave la gueule, je dis oui. Ça c'est va, bien, mais... 10. Paf, de guidance. 14. Ça passe. Toujours ça. Difficult to get a good day's trade done when I'm expected to keep watch for Shadowheart at the same time. Who knows when she'll finally turn up. Mm. Alors on pourra pas t'aider, mec. Hein. Elle s'est barrée. Ah, voilà, c'est la 4 qu'il faut dire. Mmh. Moi j'ai ramassé un anneau justement qui n'avait pas de. What a remarkable coincidence. Or perhaps not. These are desperate people. Who is to say what length some of them may have gone to, just to earn the money to survive. A tragedy, really. But we must not judge. Perhaps I could show you some of my special goods to take your mind off this ugliness. Ouais, bon bah. Ça arrive, les accidents. Ça se trouve, il a des trucs qui sont vraiment bien. Hein. Ah, c'est pour ça, ce que je veux dire. You are cannier than I first gave credit to be. I have some very special wares reserved for exclusive clients. I think you've earned a peek. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Il y a encore des... Et voilà. Et c'est pour ça que c'est moi que... Pour ça que c'est moi j'ai jamais vu, toujours. J'ai jamais vu. Vas-y, stream. Bah, c'est pas ce qu'ils vont. Il est occupé à autre chose, hein. Je te rappelle qu'il record. Ah, en fait, d'accord, bon bah, stream pas. En fait, il n'y a pas grand chose de plus que tout ce qu'on lui avait vendu avant. T'es sûr? Ouais, bah, on s'en fout, hein. Quand on arrête de regarder, on pourra regarder. Hein. Ouais, mais. En vrai, ouais. ouais, pas. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus que quand on a vendu des trucs. L'âme des âmes opprimées, c'est déjà donné. Froid de l'âme, c'était déjà fait. Parchemin de télékinésie, c'était déjà fait. Oui, ce serait foutu de notre gueule. Mais je veux pas 35K, il est con. Mais... Bah, en tout cas, j'ai rien. Ah, je peux vendre la bombe. Je peux vendre la bombe. Waouh, 122 dégâts. Non, ça fait plus que ça. Bah, je te dis. Ouais. Ouais, moi je l'ai essayé, ça a fait wipe mon groupe et ma barbare elle avait 143 PV donc. Vas-y, faut que je save et que. Tu veux l'essayer? Voilà. Franchement, je sauvegarderai, je testerai ça à un endroit super peuplé. Juste pour déconner. Oh, pff, d'accord, ok. Citoyens de Baldur's Gate, nous sommes venus pour. À peu près ça. Tu joues de la musique, il y a tout le monde qui vient, tu fais. Hop là. Ah bah voilà. On s'est fait acheter par des marchandises qui n'existent pas, mais bon. On va dire que le mec est mort et il a pas de famille, donc on s'en fout. Bon, du coup, on va au temple d'abord pour rendre la quête. Oui, je regarde. Non, il n'y a pas d'objet. Non, il n'y a vraiment pas d'objet. Putain, vous cassez les couilles. Non, mais c'est vrai, il y a. Ah si. Attends.
Non, c'est un casque de justicière, mais ça, je crois qu'on l'a. Je sais pas si on l'avait déjà. Je crois qu'il est vendu, ça. Oh, c'est con. Attends, on aurait pu les filer à Daemon pour après l'endormir. Je te dis, il y a un de plus. Non, non, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est. Oh, je suis déçu, là. On peut pas lui reparler du cadavre Non, c'est trop tard. Il m'a pas proposé, donc. Ah, peut-être que c'est valable que pour Katox, je sais pas. Allez, on s'en fout. Le loot, le loot. Et on va où du coup? On va au cirque. Au temple, on rend la quête. Mais putain, le cirque, on passe devant comme des débiles depuis. Oh, ok, on va au temple. Et vous voulez pas. C'est les pieds. On peut pas finir les zones. Hein. Ah oui, non, mais c'est bon, ça, moi aussi, ça me trigger, mais t'inquiète, hein, on va au temple. On rend la quête, ensuite on va au cirque. J'ai fait des allers-retours pour rien. On est d'accord. Mais non, parce que sinon on rend jamais les quêtes et on prend jamais l'XP. C'est sur le chemin pour continuer la zone, mais. Exactement. De toute façon, après, faut qu'on aille finir le bas. Ah, putain, on va faire le cirque, bordel de merde. Elle est où la vieille? La vieille. C'est Yanis, c'est ça? Elle est là. Yanis? C'est Gandoulf le vieux. C'est Gandoulf. Je suis Gandoulf le vieux. Allez, on lui dit ce qu'on a découvert jusque là. Moi, je me purifie. Assassins under this temple is certainly unnerving news. Thank you for taking care of them. You're on the right track. Please, keep looking. Quoi? Comment ça, shooking? Allez, on n'a pas fini la quête. Youpi, on est venu pour rien. Il y a peut-être une dague. Il y a peut-être une dague qu'on a trouvée devant. Quelque part, qui a été vendue par quelqu'un. Là, il faut. Hein, quoi? Mais non, peut-être une dague qu'on avait trouvée dans un trou. Mais... Le marqueur de quête, c'est résoudre le meurtre du temple de la main ouverte. Là. Ah, bon, attendez, maintenant qu'on est là, si vous en êtes à rendre les quêtes, je vais aller filer la lettre à la maître de poste. Là. Tu l'as lu? Ah, bien sûr que je l'ai. Et alors? Globalement, tout le monde c'est des connards. Voilà. Alors, on est d'accord. Attends, moi, j'arrive, je veux le confronter aussi. Ah ah! Attends, pourquoi ça peut pas, pourquoi je peux pas les rendre? Oh non, tu les as vendues les lettres ou pas que je t'ai filé tout à l'heure? Je crois que je t'ai envoyé des lettres. T'es sérieux? Oh, va falloir les racheter. Oh, non. Putain. Non, mais... Allez! Qu'est-ce qu'il faut pas faire avant de finir les zones? Rendre les quêtes peut-être. Oui, alors on peut pas, je peux pas rendre la quête parce qu'il va falloir que je me refasse invisible pour aller au marchand. Putain. Là, il marque un point. Bah sinon on va au cirque. Hein. Ouais, on va au cirque. Ah ouais, on va au cirque. Comme mais c'est bon. Tellement facile de. Je vais me rendre invisible. On va au cirque, on va au cirque. Oui, non, mais de toute façon, il peut pas se rendre invisible là, il a pas de. Ah bon, je m'en fous, alors là je vais fouiller dans vos sacs pour trouver une potion d'invisibilité. Après, j'aurais pu fouiller, je te demandais. Ça, puis j'aurais pu juste Misty Step. Attends, mais c'est quoi son. Non, il a vraiment une goule. Bah oui, c'est pour ça, la goule elle me fait trop marrer. Ah, mais c'est pas une goule, c'est un vampire. Between his piggy toes. How dare you? What in the hell is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extra-planar circus there is. Ah mais c'est un pote à Starion ça en fait. Non. Bah ouais t'es sûr. Oh. We travel from plane to plane, thrilling all blessed to see us. From tempestuous Ginny to belligerent red caps, you'll find them all here. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. J'aime trop Benji. Ah! Brain juice smells like piss and iron! No like. Oh, well, that's a first.
Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. C'est où t'as le plus de... La brume, oh. Le truc de Warlock. Non, mais je suis le nouveau magicien. Ouais, je suis un spectacle magique. Vous allez voir, je vais balancer des décharges occultes à gauche, à droite. Et puis il a quand même plus 10 hein, avec ça, hein, j'ai envie de te dire. Sa plume. C'est 10, n'importe 14. Quoi. Bah ouais, c'est... en fait, tu ne peux pas louper là, donc... Ah si, il peut faire 1. Oui, Sophie, il fait 1. T'es gagné, et vous, c'était dur. Ah ouais, 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 moi j'ai claqué des joues. Hein. Well, it's about time. I told Lucretius forever ago that we needed some more razzmatazz on the big stage, you know? Glad she listened. Welcome to the circus. A motley crew of misfits and morons. We're happy to have you. Attends, moi je vais reparler à Benji. Benji fait trop parler. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouh, Katox est inspiré. C'est tellement rare, j'ai récupéré un tout petit peu de pecs sur vous. Ouais. Ah, c'est après, il aura une ligne de dialogue qui sera trop marrante. Ah oui, j'aime trop ce... Je sais pas ce quel monstre c'est, mais genre machin, normalement ça t'arrache la tête de façon dégueulasse, et là c'est juste un bodyguard. Ah, il sert de charnifle. Parlez au djinn. Oh, la momie. Parlez à la momie, c'est pareil, c'est trop marrant ça. La momie. Ah ouais. La maman. Ah, Zara the momie. J'ai pas vu ce que t'avais sélectionné comme... Bah, lire les pensées. Dialogue. Ah. J'adore ma guidance qui fait plus ça à chaque fois, c'est... Waouh. Ah oui, c'est... Does this also not understand common? Do you wanna buy face paint? Vas-y, fais-le. Mmh. Quelqu'un m'a compris. C'est ça. Et quand c'est tu lui fais... Quand tu lui fais... Genre, elle est dégoûtée. Alors, il y a des nécessaires pour se transformer en clown. Il y a de la teinture noire et rouge tango. Oh. Teinture noire et vert estival. Superbe teinture grenat. Il y a un trésor sans valeur. Il y a un destructeur des plans. Ok. Bon, vite, 20 ans que je puisse aller lui parler pour lui acheter toutes les teintures du monde. Ah, un jean. Oh, il y a une roue. Super, let's go. Il y a une maîtresse de l'amour qui est vécue de lierre. Des bulbes luminescents. Radcap. Ah, les citoyens, ils ont l'air tout petits. Ah ouais, vas-y, parle au djinn, parle au djinn. Que des... Le djinn, quel djinn? C'est un djinn. Alors là, il parle à Akabi. To win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. 500 balles. Je peux 500 dire balles. J'apprends à me méfier de ce train interplanaire auquel j'ai eu affaire, vu que je suis occultiste. Ah, je sais pas ce que ça donne. Then Akabi pities you. Begone, miserable one. Je vais laisser le nain aller faire ses jeux d'argent. Pour l'instant là, j'écoute des bardes. Ugly one. Yes. Petite ambiance. Profitez. Akabi's Wheel of Wonders. Il répond toujours la même chose. Il répond exactement toujours la même chose, peu importe ce que tu dis. Quoi? Mais je lui dis de Akabi. Tu as fait réponse spéciale occultiste et même il a balancé la même réponse qu'à tout le monde quoi. Let us see if you have luck's favor. You notice a glint in Akabi's beard. Yes. As it glows, the wheel. Qu'est-ce que t'as gagné? Non, j'ai trigger ce que je voulais. Oui.
du coup. Alas! Ah bah, je vais pas. Je vais pas spoil. For you, ugly one. But you may have Swat. This. Swat. Attends. You dare speak to me as if we were equals? You are a scrap of food in my teeth. The dirt beneath my fingernails. You are nothing. Ooh. I am, however, feeling gracious. So I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something. Ah ouais, je suis là. Oh, moi, j'écoute ce qu'il dit. Ah non, non, je disais, il y a des gens qui font dodo. Il y a des gens allongés par terre là. Behold my fury. C'est toi qui t'es transformé en fromage là. Ah putain, merde. Ouais, bah je m'en fous, attends, je peux faire des nuages de. Mais pourquoi t'es un fromage? Mais va-t'en avec ton cul là. Il vient de me dire que j'étais moche. Oui, il dit ça à tout le monde. Pourquoi il dit yes? Qu'est-ce qu'il a fait le fromage? Faut que tu lui voles son anneau. Ah ouais? C'est possible. Je peux faire, je peux. Ah, faire. Ça y est, Katox s'est mis à faire de la musique avec tout le monde. J'ai raté mon jet de représentation. Ah non, mais y'a plein de sous à se faire là, vas-y. On commence. Attends, quoi Non mais comment ça? Genre c'est 500 balles pour faire tourner la roue? Ouais, mais c'est... C'est pour ça, c'est... Enfin, bon, dans mon cas, c'était Wars, donc c'est pour ça que si tu lui voles... Ah putain, c'est moi qui devrais lui voler l'anneau. Parce que ça va trigger un truc. C'est pour récupérer mon arme ultime. Faut vraiment faire un groupe de musique quoi, tout s'accorde. Oh putain, la roue à fromage là, ça dure combien de temps encore? Putain, si toujours. Elle passe en mode tour par tour. Bah non, pas aussi long hein. Mais fais pas. Tiens. Mais arrête, tu l'as fait bouger. T'es caché dans le nuage peut-être. Non. Ah ouais. Ah, passer en mode tour par tour, t'as prenez raison, pas la tête. Est-ce que tu veux la main de mage? Là, bah, parce que la miniature de fromage. C'est un fromage. Alors après, c'est bon, l'odeur est plus ou moins la même que celle que j'avais à la base. Hein. Vous allez pas sentir de grosses différences. C'est perturbant de voir une elfe qui sent le nain. Si tu lui piques l'anneau et que tu joues la roue, tu vas lui baiser la thune. Tu peux récupérer la thune en fait. Je vais voler, mais il va le voir, non? Je vais voler. Non, mais maintenant, faut que tu lui parles. Attends, mais je vais m'en aller, surtout. Mais... Si tu veux, mais... Non. The spongy mortal. Ah, et là, du coup, tu dis quoi? Bah, si tu dis faire tourner la roue... Ah, t'as pas équipé l'anneau? Enfin, c'est encore possible, je peux l'équiper. Vas-y, équipe l'anneau et parle-lui. Immortal, return. Let us see if you have luck's favor. C'est magnifique. Et je crois que tu peux utiliser l'anneau pour le mettre sur la truc qui t'intéresse. Impossible. Ah non, c'est bon, ça. You thief! You cheated! Tiens, vas-y, tu veux lui dire, ouais, ça fait quoi, espèce de. Je sais pas quoi. Enjoy the jackpot! Bon, alors. Ah, mais il m'a transformé? Non. Tu es dans un endroit qui est particulièrement dangereux. Oui. Alors, fais gaffe, il y a des dinos qui sont extrêmement énervés. Quoi? Attendez, je suis passé en tour par tour, hein. Mais alors, où? Mec, il y a un coffre. Il faut que tu ailles jusqu'au coffre pour récupérer l'arme de foufou. Allez, mais bonne chance. On dirait qu'on est dans Fort Boyard ici. Allez, so long, hein. What the fuck?
Attends. Qu'est-ce qu'il fout là? Il est où le coffre? Il est dans les jambes du cul, quoi. Ah, il est là-bas. Ah, mais vas-y, c'est bon, c'est ok. Oui, alors, ce que je dis, il va y avoir des dinos. Il y a 5 ou 6 dinos qui sont un peu énervés, mais, donc, bah, serre les fesses. 60 PV, c'est ouais, bon. Ouais, bah, allez, hein, ciao. Non, mais, une mire. Souviens-toi à qui tu parles. Oui, alors, il n'y a personne pour te soigner, là. Non, mais, je suis la nuit. Genre, jamais ils vont voir, je fais des sauts de la taille de la planète entière. Ah, c'est pas faux, j'avais pas pensé à ça, mais si jamais ils te chopent, tu vas passer un mauvais quart d'heure. On va bien voir, regarde. Je... Là, on va, moi on je va les vois même pas, étant donné que... Double clic sur le personnage, tu verras. Hiding successful. Let's go. Là, on va là. Ouais, moi, je sais, les, mais... Je vois pas les dinosaures, moi. Ouais, parce qu'on les voit pas nous. On le voit lui, mais on les voit pas eux. Ich bin the night. Ah là là, et dès que je vais essayer de bouger avec les... Regarde. Là, avec les bouges du clavier. Tu vas voir. Ouais, j'espère que t'es prêt, venir. Ah, je suis prêt. T'es prêt? Ich bin the night? Tu m'as jamais vu aussi. Ah putain, je vais pas pouvoir sauter si je fais ça. Un saut, c'est. Oh, ça c'est mal fait quand même. alors, ce que je te dis, hein, faut que t'ailles au portail, mais t'as un coffre à côté. Ouvre le coffre par pitié. Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu d'accord, t'as augmenté ta distance de. Non, ouais, j'ai fait surfall et je vais sauter jusque là-bas. Ça va être plus simple. Attends, jusque là-bas, tu peux aller? Bah, je peux quasiment aller là-bas. Ah non, c'est... Je peux sauter là, voilà. Regarde. Allez, ouais, let's ouais. go. Voilà, bah, ouais. Direct, hein. Ah non, ah bah super, tu t'es bouffé la branche. Tu t'es pris une branche. Ça va les... Ça va les dents? Combien... Il a 60 PV? Bon, enfin, bon, faut te dire. Bah sinon, tu vas jusqu'au coffre et puis... Non mais c'est ça, enfin, c'est-à-dire que bon... T'as vu ce que je te disais? Les faibleurs, il est pas trop stylé quand même. Je te rassure, la probabilité qu'ils arrivent jusque moi... Je devrais m'en sortir quoi, c'est-à-dire qu'il va dash à la limite. T'as un cadavre qui s'est vraiment littéralement éclaté sur la pierre là, en contrebas. Ah ouais, bousiller les dinos, je sais pas si ça te rapportera de l'XP, d'accord, mais... Il y a peut-être des objets cool aussi sur les dinos. Ah oui, il y a des objets cool sur les dinos. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, t'as TP occulte. Au secours. Ouais. Ou au chult, je sais pas comment dire. Alors, je te conseillerais de t'éloigner du bord. Hein. Sinon, va jusqu'au coffre, hein, te prends pas la tête. Putain, si jamais il te balance dans le vide, t'es comme un con. Ah, c'est vrai que c'est con, on voit pas les dinos. Ben. Ouais. Bon, pas les faire 20, j'ai fait 20. Voilà, ça c'est fait. Ah, excusez-moi, pardon. Attendez. Pardon ? Elle est pas mal cette arme. Ah oui, mais toi, ouais, mais t'en as pas l'utilité, toi, t'as un super bâton. Malheureusement, je ne peux pas l'équiper, je vais peut-être la laisser ici. Non, prends-la. Non, tu me dis que tu l'as pris, pitié. Mais bien sûr que je l'ai pris, tu vois. Oh putain. Oh, tu serais parti sans, mais alors là, je pense que j'aurais fait une syncope, mec. Putain, mais c'est quoi cette arme que je viens de te ramasser, quoi? Eh bah, ben, c'est... L'arme de fin de jeu... C'est Gator qui l'a prise. Mais trou de balle, t'as déjà une arme légendaire, toi. Elle a disparu. Elle a disparu. Espèce de trou du cul. Voilà. Allez, rends-lui son arme. Non, oh là là, c'est même pas drôle. Ah mais attends, j'ai... Vous savez où ça m'a fait apparaître? Oui, c'est vrai en plus. J'ai vraiment aucun respect, quoi, le gars. Par contre, voilà. Désolé, mais Munir, tu me dois un pare-chaud de Featherfall. Hein. Je te dois un pare-chaud de Featherfall. Si tu veux, je te file une potion d'invisibilité. Attends, je crois que je dois avoir ça dans mes sacs. Tiens, prends ton anneau pourri, là, que je l'ai volé. Quoi? Hein? Mais non! Ouais, je m'en fous, c'était juste pour trigger la truc, hein. Tu peux le garder. Ah bah j'ai un anneau de vol si tu veux, j'ai une potion de vol si tu veux. D'accord, si je la mets dans mon inventaire, ça va pas te faire avancer. Ah non, j'ai une flèche de TP, tu veux une flèche de TP? Déjà. Ah, mais ça te fait aller 100 dégâts, ça te fait faire aucun dégât. C'est vrai, j'ai pas pensé à l'utiliser. Ça t'aurait une potion de vol, paf. Parce que c'est vrai que tu te déplaces pas suffisamment. Alors je peux avoir une statue de moi-même au camp pour 5000 pièces d'or. Bam. Allez, maintenant ça va rigoler.
Je pourrais plus perdre mon arbre et je pourrais la jeter comme le marteau dedans. Ouais. J'ai même pas lu ce que ça faisait. Alors. Ah, c'est 10-20 chez toi. C'est quoi les dommages que ça fait? J'ai même pas lu tous les choix, j'en ai vu un, j'ai fait, je prends celui-là. Ça fait 10-20. Alors. T'as vraiment dépensé 5000 PO là? Ça pue. Pardon. Laisse-moi voir, faut que je la trouve. Elle est où? Faut que je la trouve. Il y a de statues pour le campement, ça pue. Oui, elle est excellente. Je peux pas trop zoomer dessus, mais elle est tellement belle. Elle est où? Elle est au camp. Elle est là. Oh, mais c'est incroyable. Quand tu la lances, ça fait un mini shatter, quoi. Elle est là. Ça? Ah oui. Ah, c'est une arme plus 3. Mais ça te ressemble pas du tout. Ah si. Et pourquoi je monte dessus? Ah ouais, j'ai même pas lu tous les choix, j'en ai vu un, j'ai fait, je prends ça. Attends, mais elle est où? Ouais, et si, hein, c'est ça, c'est, on est d'accord, c'est ça. Attends, je peux pas poser mes choses. Par contre, bon. Ça tient à poil, quoi. Ah ouais, mais c'est à ma demande. C'est vrai. C'est, j'ai lu ça, je prends. Direct. T'as demandé tout nu? Ah bah oui. Tu pouvais l'avoir habillé et t'as demandé tout nu. Ah bah oui. Scratch qui veut nous parler. Y'a Scratch qui veut nous parler. Franchement, si, hein, les traits, je suis, ça ressemble de fou, hein. Mais tu parles pas aux animaux, toi? Bah si. Ah bon, ah oui. T'as depuis con. J'ai utilisé une potion depuis, genre, je sais pas, 5 épisodes, je crois. Quand on a pas fait de long rest. Indeed, and I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me. Oh. C'est mignon. Bon, il y avait d'autres trucs à faire. Bah, mis à part machiner une statue de moi nu. 5000 putains de PO pour une statue de toi tout nu. Oui, et je ne regrette rien. On peut pas la péter. Et sache que, bon. Et sache que dans mon cœur, ces 5000 PO t'appartiennent. Ouais, je sais, oui. Je me suis fait chier à aller filer au début d'épisode. Vas-y, monte voir si tu lances ton truc et il se passe quoi là. Je vais peut-être pas le jeter à côté de toi ou à côté des ennemis. Enfin des alliés qui vont se transformer en ennemis. Tu peux le lancer par là. Attends, je le jette par là. There is pain. Endless and deep. Ah oui, non, attends, bah, c'est toi que je le jette sur un... C'est toi qui as voulu qu'on aille au cirque, hein. Donc du coup tu savais très bien qu'il y avait ça. Tu savais très bien que c'était une chose que d'office j'allais faire. C'est vrai que j'avais pas pensé à la statue. Oui, il y a un chat là qui est avec nous. Mais je m'en fous, ça valait le coup parce que mon arme elle vaut 840 PO. Quoi. Ouais. Moi je m'en fous, elle est trop bien. You are wise to admit it. En plus j'ai un flow de dingue maintenant, regarde. Behold! Vulnerability is armor. Aquaman n'a qu'à bien se tenir. Truth, a sword. Non, on fait quoi alors? Bah, je sais pas, il y a une gamine. Ah, mais c'est le petite merde qui disait que sa mère était crevée. Ah, mais oui, mais c'est pour ça qu'elle a les yeux tout rouges, là, elle a dû pleurer sa mère. Oh, bah, il y a des chances, oui. Peut-être qu'il a retrouvé au fond du caniveau. Vous êtes où, les copains? Alors, il y a Radin qui est en train de parler. Ah, bah, tiens, bizarrement, il parle à la nymphe toute nue. Bah, ouais, parce qu'on se faisait chier jusqu'à présent. Oh. Ah, tu parles à qui? Tu parles à la. Ah, mais non, mais. La dryade, là? À la dame du lierre. Ouais, je vais parler. Attends, tu lui parles ou tu lui parles pas? Oh, bah j'ai fini moi. Ah bon? Qu'est-ce que tu crois? Bon, on a un nouveau perso dans le campement. C'est quoi? La gamine. Ah, d'accord. Don't worry. Ah yes. I only take junks from dead people. Attends, c'est quoi? Non, c'est pas un kobold ici? Si si. Mais il vend des trucs. I has lots of stuff just for you. Alors, qu'est-ce qu'il peut vendre? Plein de trucs. Gants de déplacement ténébreux. Vous gagnez un bonus de plus 1 au jet d'attaque lorsque vous lancez votre arme. Et vous pouvez échanger votre position avec celle de la cible si elle rate un jet de sauvegarde de dextérité. C'était qui Arabella? Bah c'était la gamine Tiefling qu'on a sauvé des druides et qu'on a qui a été exploré son côté sombre, je ne sais plus où. Parce que si jamais du coup il y avait une note de elle là dans le campement.
Et la lettre, elle disait que, en gros, elle a parlé à la Liche, là, qui est dans notre campement, et qu'il lui disait d'écouter le comment s'appelle ça, la toile de magie. Enfin, la toile, ouais, ça va jamais passer là, ce que je suis en train de faire. Et du coup, elle est partie à Baldur's Gate. Ça fait avancer la quête. Quitte le camp. Bon bah, ils vendaient pas grand chose, mais j'étais quand même trouvé un petit truc. Je te l'ai envoyé en lot de consolation. Come back to Papa soon. Oh, l'élixir de géant. C'est tout pour Mimir. Ça t'a coûté 5000 pièces d'or, sache-le. Ah, m'en fous. Ça valait, voilà. Ça valait. Finalement, c'était quoi? C'était 5000 pièces d'or pour ton arme, c'était pas cher payé. Bah, tu vas te plaindre en plus. Non, il va se plaindre en plus. Non, j'essaie de trouver un argumentaire de vente. Si tu la veux pas, je la prends. Hein. Mais sérieux, toi, elle peut être cool pour toi? Bah, vas-y, rends-la moi. Enfin, enlève-la de ton équipe. Je vais dire combien je fais de dommages avec. Alors que j'ai pas la proficiency. Hein. Sans proficiency, je fais 7 à 22 avec. Allez, réussite critique. Au lieu de 9 à 22 avec mon arme. De quoi? Au lieu de? Là, je fais 9 à 22 avec mon arme. Bah, tu fais plus de dégâts avec ton arme. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais potentiellement, si t'étais pas là, j'aurais pu la mettre cette arme. C'est ça que je... Ah bah, si tu veux, je te la file. Non, c'est pas ce que j'ai dit, parce que je vais sans doute me battre sans arme d'ici pas longtemps. Ah ouais, quand tu vas voir les gants, tu vas trouver que mon arme elle pue la merde, donc... Non mais y'a aucun problème. Attends, je suis en train de menacer un espèce de panthère du néant, là. Il est trop classe. Attends, le kobold, t'as pas vu qu'il y avait un petit objet à côté de lui qui était un peu saugrenu? Je ne vole rien. Non mais d'accord, mais tu ne voles rien, mais tu... Ah oui, si, faut la voler. Tu veux pas lui demander? Moi, je suis en train de discuter avec une panthère. C'est énorme, je suis en train de parler. You kill my meat. Je suis en train de parler à une meuf. Cubs. I roar. Break my cage. Et une nécromant fait danser ses squelettes. Ça me fume. C'est improbable cet endroit d'empêche. Elle m'a invité back end, quoi. Il y a des petites mains derrière qui se baladent. Scratchy et Itchy. Et il est où ce kobold? Il est à côté du djinn. Je peux définitivement enfermer le félin en sa cage. C'est dommage, moi j'aime pas les animaux en cage. Putain, mais comment ça? Ah, une oreille de... Hop, oh, oh putain, j'ai pas assez d'or. Mais attends, y'a un kobold là? Là, en face de moi. Peut-être faut de l'or. C'est bon, je t'ai pris 500 pièces d'or. Ah là! Ah, juste en face de moi, quoi. J'ai acheté une oreille pour faire des potions de vitesse. Et t'as un petit objet là derrière. Ah oui, non, la prends pas maintenant la main, on la prendra après. Non mais vous m'avez volé tout mon or encore. Attends, je t'envoie des pièces d'or, tu veux acheter un truc en particulier? Bah, il a choisi de faire des choses. Oui, après les compos, j'ai pris celles qui semblent pertinentes, je vais pas regarder le reste. Je t'avoue, à partir du moment où moi je vois des potions pour faire. Ah, du Bloodlust? Non, des potions de maxi potions de heal, j'aurais pas dire non. Hein. Ouais. Ah, ça coûte 75 balles, la potion elle coûte de 300, je crois. Ah, t'as parlé à elle. Personne n'a rendu de l'or. J'ai filé 500 pièces. Elle m'a envoyé bouler. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle s'occupe de ses squelettes. Ah d'accord. Bon, par contre, mon arme, c'est vrai que quand je la jette, faites gaffe, hein, parce que ça vous fait aussi des dégâts, je crois.
Bah fais gaffe toi. Oui, bah, je vais faire gaffe. Mais le problème c'est que ça fait un radius de 6 mètres de dégâts autour de la cible à qui je jette l'arme, mais je ça apparaît pas quand je jette l'arme, donc je peux pas me rendre compte de ce que ça fait 6 mètres de... Ah, et en plus je gagne 3 mètres de mouvement. Ah, je cours, je fais 14 mètres maintenant. Eh, pas mal pour un homme. Attends, mais c'est quoi l'objet que tu Non, 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 prends pas la main, prends pas la main. Ça, moi je pense que c'est pour ça que ça a bugué sur ma partie, c'est parce que j'ai récupéré avant le lancement de la quête et ça a fait bugger le truc. Hein, prends pas la main, franchement prends pas la main de Kuhn. Ah d'accord. He got the stuff in, kicked out of him. Peut-être le red cap. Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh well. Allez, ça t'a pas quand même fait marrer le méfite debout là qui est marié avec un golem de terre. But first, I need a volunteer with nerves of steel. Ouais, ça m'a bien fait marrer ce truc là. Ah, Katox, t'as lancé le dialogue? Ouais. C'est lancé tout seul. Ouais, maniez-vous, revenez vers Katox. Ah, par contre, toi, à côté de lui? Ouais, c'est un conseil. Ah, sans la baston! T'es où, Katox, attends? You, my special assistant. Ouais, ramenez-vous. Il y a mon entité extraplanaire qui fait... Bah déjà, t'as vu la gueule du chien. Je peux le regarder avec le regard de l'entité extraplanaire. Genre, nope. Ouh, 25. Oh. Attends, t'as deux fois avantage, là. Ouais, parce que j'ai le grand ancien et j'ai la note perspicacité. Ouais, si jamais, c'est pas suffisamment. 25, ça va pas être possible, hein. Non, ça va pas être possible, hein. Waouh! Allez, tiens, wow. C'est cadeau. Je relance. Comment ça, t'as craqué une inspi? Bah, je veux pas aller sur scène, moi. Le seul truc ici, c'est de faire une réussite critique. Hein. Je sais pas, je vois à travers le jean en. En négatif flou à travers mon visage. Le clown il ressemble vachement à. Au démon là, à Raphaël. Ah, il y a un air. Allez, va sur scène! A round of applause for the stalwart heart! Il va tellement te faire bouffer quoi! Bravo! Bravo! Il est tellement content d'y aller! Oh, il y va, mais te faire tellement dépité quoi! Je suis ravi, ça me correspond IRL, sauf que j'irai me faire foutre un pied là-dessus quoi! J'avoue que c'est clair que je te vois vraiment dans. Je te vois en vrai y aller! les épaules abattues, tu sais! Tu saoules! Tell me! What makes you special? Ah, perception fail est pas bon. Yeah. Excellent. No. I don't care about your special friends. I'm talking about you. You, my friend, are the most special person in the circus in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the absolute. You sense something behind you. Instinct takes over. Oh, mais attends, mais... Oh non, t'as pas nourri le Vélociraptor. Y avait rien pour le bouffer. Par contre, j'ai bloqué la cage du croc noir. Ouais. T'en es surpris là ou pas? Non, non, c'est à moi de jouer. Je sais juste pas trop où je vais.
pourquoi il me tape dessus. C'est quoi, c'est encore une autre route folle, c'est camouflé ou quoi? Évidemment, je joue bien après eux, donc je vais me faire ouvrir en 4 et je vais mourir. Ah non, mais c'est relou, parce que comme il est dans la cage, il est considéré comme caché. Alors... Et alors du coup, à quel moment est-ce que vous vous êtes pas soigné? Moi, je suis pas fort. Mais au moment où on m'a parlé d'un cirque qui était drôle, je me suis fait, bon bah on ira faire un langrest après. Bon, de suite c'est de ma faute. Oui. Alors je pense que le problème de base, c'est les gens qui ont trop la confiance en se disant ah c'est bon, je suis midlife, ça passe, il va rien se passer. Ouais, pas, on est dans un cirque. Je viens d'en buter un, donc Non, c'est vrai, nous on a... Doppelganger. On a un Atémir avec nous, on s'en fout. Bah Atémir il peut sauter sur scène et prendre les baffes à ma place, ça m'arrangerait beaucoup. Pourquoi mais tu vas te cacher derrière là? C'est vrai que j'ai... Non mais j'avais oublié que j'avais peur. Ah mais c'est un Blink Dog! C'est incroyable. Ah. Ah bah il vient de taper toi en plus. Oh, bah voilà super. Bon bah... Trois dégâts. Ah c'est... Waouh. Ouais. NON pas... Comment okay. Ça? Non, tu t'attendais à quoi? Mais pourquoi? Mais c'est nul là, machin. Pourquoi t'as dit non, Weird? Parce qu'il a ouvert la cage. Oh non, je suis bêté. Oh. Bah tu es le Vélociraptor. Trop tard, tu vas devoir le tuer. Je peux tester un truc. Vas-y, vas-y. Sauvegarde avant. Ouais, comment ça j'ai avantage? Sauvegarde avant, par contre, s'il te plaît. Pourquoi j'ai avantage? Ok. Non, parce que je suis quasiment certain de ce que tu vas faire, donc... Teste si tu veux, mais... De quoi? Tu parles à qui? À moi? On est à 4. Oh mais... J'en étais sûr. Bon bah dessus, ça pue. Allez, on se longue hein. On terminera l'épisode là-dessus. J'ai sauvegardé juste avant. J'ai sauvegardé juste avant. Allez, bon mais... bah, allez, ciao hein. Au moins ça boum et ça fait la fin de l'épisode. Allez tout le monde, à plus. Ah, j'ai survécu. Moi aussi. On dit à plus les gens. Allez, bisous hein.